cabinet d'études donc, qui avait vérifié nos installations, et il se trouve que le skatepark n'était plus aux normes et qu'en cas de problème et d'accident, la responsabilité de la commune pouvait être engagée. Donc, dans la précipitation, on a retiré l'ancien skatepark et l'idée est venue de revenir directement vers les jeunes utilisateurs pour voir l'effet qu'avait, l'impact qu'avait eu le démontage de ce skatepark. Et il se trouve qu'on n'a même pas eu le temps de faire la démarche auprès des jeunes, c'est les jeunes qui ont fait la démarche auprès de la commune. L'initiative pour reconstruire le skatepark, elle avait été prise avec Arthur Michel et moi quand on était encore en 5e. Bah, l'idée, elle nous est venue qu'on ne pouvait plus rouler du tout à Los Angeles, on était obligé de se déplacer, on en avait un peu marre, quoi. Et du coup, on a envoyé une lettre à M. Geoffrey Maton. Oui, quand le skatepark a été démoli, les jeunes ont très mal réagi, ça les a vraiment déplu. Ils ne puissent plus pratiquer leur sport quand ils voulaient. Bah, on était un peu énervés par rapport à la mairie, parce qu'au début, la mairie elle faisait pas grand-chose, on n'avait rien demandé, mais bon, le fait qu'ils le démolissent, ils auraient pu essayer de relancer un projet avec les jeunes. Et du coup, on a envoyé des lettres pour commencer un projet. Ben, déjà, c'est par rapport à leur motivation, quand ils sont venus réclamer à monsieur le maire et ne comprenant pas la démolition, qui était due au contrôle de sécurité, mais aussi, on a vu qu'ils commençaient à s'impliquer, la démocratie participative. On l'a fait déjà beaucoup à Los Angeles, mais l'affaire avec des jeunes qui avaient entre 11 et 14 ans, franchement, c'était un plus, vraiment un plus pour la ville. La commune de Los a quand même un savoir-faire sur toutes ces questions d'implication, de participation des habitants et sur ce type de sollicitation d'habitants. L'idée, c'est d'accompagner et de voir dans quelle mesure on peut impliquer les jeunes sur un sujet et leur permettre de mieux comprendre les enjeux du territoire. Par le biais des réseaux sociaux, on a organisé des réunions régulières où les jeunes ont fortement répondu présent. Et on a réfléchi ensemble à comment on pouvait envisager de mettre en place un nouveau skatepark. Donc ils sont venus avec des plans. Ils ont réfléchi à une conception qui pourrait leur convenir au mieux selon leur niveau de pratique. On avait fait des visites sur les skateparks de Vendin-le-Vieil, au Fethel, à Lens, je crois, et à Grenay. On avait modélisé avec un logiciel sur internet qu'on avait trouvé sur un site. Et les modules, on les a choisis par rapport aux disciplines. Enfin, le point incliné un peu plus pour les skateboards, les funbox pour les trottinettes, roller, BMX. Enfin, tout ce qui était court, souvent, c'était pour la pratique du roller, BMX et trottinettes. Des plans qui ont été vraiment étudiés et soumis justement à différents fabricants qu'on avait sollicités pour essayer de coller le plus près à la demande des jeunes, en fait. Donc initialement, il y avait 4 modules sur l'ancien skatepark. Et la volonté était vraiment d'avoir un plus grand espace de pratique. Donc le City Stade a également été démantelé, en fait, parce qu'il arrivait aussi en fin de vie. Donc du coup, ça a permis aussi d'avoir un plus grand espace et donc de pouvoir aussi envisager une aire de pratique beaucoup plus conséquente. À ce jour aussi, on compte vraiment un public beaucoup plus large, puisque justement des jeunes ou des moins jeunes viennent des villes avoisinantes, voire même de la métropole lilloise. Si seul dans son bureau, les élus, les techniciens de la ville font un choix qui peut même être très pertinent, hyper travaillé, avec une AMO, par exemple un bureau d'études sur la conception des skateparks, si on l'avait fait de manière traditionnelle, on aurait certainement sorti un espace intéressant. Mais, par exemple, on n'aurait peut-être pas vu qu'il y avait différentes pratiques et on n'aurait pas répondu, par exemple, à l'activité BMX qui était en fait très très forte en termes de demande. Donc le but final pour moi de l'application, qui est vraiment l'intérêt principal, c'est de qualifier la mise en œuvre d'une politique publique. Et là, en l'occurrence, c'était qualifier la mise en place d'un équipement public pour les jeunes. À partir du moment où on arrive à mettre les gens en action, c'est-à-dire à leur mettre le doigt dans un sujet du territoire, il y a tout un processus qui se passe avec eux, donc il faut participer à des réunions, il faut échanger avec les autres, donc du coup ça crée du lien, ça crée aussi de la confiance, ça crée surtout aussi une expérience commune, et ça crée une compétence collective puisqu'on a partagé ensemble quelque chose et on a sorti un objet. Et du coup, je pense que sur la suite, et on s'en rend compte à de nombreuses reprises, ça permet à la personne qui a une expérience réussie de ce type-là
à être un peu plus impliqué, un peu plus responsabilisé dans la vie de sa commune de manière générale. On a vraiment un bel exemple de démocratie participative, puisque depuis le début du projet, effectivement, de par le fait qu'ils aient proposé des plans, qu'ils aient essayé de trouver aussi des alternatives au refus qu'on a pu leur exprimer, concernant notamment des restrictions budgétaires ou justement des normes de sécurité qu'il fallait respecter. Leur implication est toujours présente, en fait. Le projet, notamment pour la quinzaine de jeunes qui vraiment s'est impliqué du début jusqu'à ce jour, est toujours constante. Ils sont vraiment présents sur le skatepark. Ils invitent aussi les jeunes à respecter les lieux. Donc c'est un travail maintenant de tous les jours pour eux, en fait. Le fait que ce soit, entre guillemets, leur projet qui soit né, ils le respectent davantage et ils le font aussi respecter davantage.